I was empowered. I felt empowered and tremendous joy. Quand je pouvais incarner avec mes mouvements une connexion physique, partir de mes viscères avec quelque chose qui fait partie de moi. Et ça m'a fait vraiment questionner, c'est quoi le corps? J'ai vu un danseur pouvoir mieux réaliser un mouvement. Pour moi, ça m'apporte beaucoup de joie. Parce que je trouve que c'est quelque chose de la vie qu'on peut, ressourcer et partager. Quand les gens viennent pour travailler avec moi, pour explorer le corps, pour explorer leur conscience, le mouvement, leurs états d'esprit, alors je trouve que pour moi c'est très épanouissant de voir que les gens découvrent un peu plus de leur capacité, un peu plus d'eux-mêmes. Au BMC, on va se mettre en contact avec différents systèmes. Ça peut être le système osseux, les fluides, le système endocrinien, comme tu disais. Et c'est une approche qui est très holistique, en fait, et qui va, qui va vraiment se cibler sur l'incorporation de ce système-là. Si vous ne vivez pas avec vos questions, vous n'arriverez pas à cette réponse-là. Et aujourd'hui, c'était cette rencontre-là. C'est-à-dire, j'ai plein de questions, et finalement, en venant ici, la question de la rencontre en moi, la question du qu'est-ce que c'est être désiré, de sentir le désir, la réponse est venue. Ça a été comme des découvertes vraiment essentielles pour moi, dans mon cycle, dans ma façon de percevoir mes ovaires, mon utérus. Puis comme en tant que femme, je trouvais ça important de pouvoir explorer ça, puis de vraiment le ressentir, parce que moi j'ai l'habitude de le ressentir par exemple que dans la douleur en début de cycle. Mais là, c'était vraiment un autre moyen de rentrer en contact avec ça, d'une manière douce, et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, sans forcément être dans cette douleur, par exemple. Puis ça a été comme vraiment un beau cadeau pour moi. Mes anciennes œuvres, mes anciennes solos, étaient tous les voyages de moi, une recherche à mes ancêtres, mes racines qui étaient coupées. Mais dans mon corps, c'était surtout dans mon ADN, j'ai toujours senti une grande perte. Et j'ai commencé au début de création de mes solos, j'ai commencé à ressourcer qu'est-ce qui était en moi, les racines. Et voilà, ça a commencé à me... Je trouvais que j'ai vécu une espèce de guérison.